Mais quelle musique de fond, Lenny, tu n'entends pas encore le jeu? Hop, là voilà la musique. Comment ça va, Lenny? Non, elle marche pas. Je suis dégoûté. Il y a le son. Ok, il y a le son, mais l'alerte, elle fonctionne mal. Ah. Là, je suis déçu, là. Attends. C'est pas bon, là. Merde. Normalement, c'est censé faire apparaître le drapeau de Gryffondor. Aïe, 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 aïe. Quelle erreur de la part du configurateur. Ah. Attends, hein. Je regarde, je regarde. Ça marche, ça doit être là-dedans. Subscriber alert, ouais, ça doit être ça. Variation setting. Ah oui, d'accord. Oula. Ah, c'est Placo, putain, j'ai entendu un truc, je me suis dit c'est quoi ce truc? Bon, il est où le gameplay? Il arrive, le gameplay, il arrive. Je regarderai pour la config du sub tout à l'heure, Lynn. Il est là le jeu, Placo, regarde. Merci pour le follow, en tout cas. Bon, déjà, j'ai fait le test sur supporter mort là, donc j'étais admis à Gryffondor. Ça va, Tin? Merci pour le reception. Merci Lenny. Donc sur Pottermore, je suis tombé à Gryffondor la deuxième fois parce que la première fois je suis tombé sur Serpentard et j'ai dit non non comme dans le film. Hein. Et du coup j'ai fait le test pour la baguette aussi, donc on est sur une baguette en corde de dragon. Normalement elle faisait 12 cm et demi, je comprends pas pourquoi il y a écrit 31. Ça peut être la version anglaise, je sais pas. Oui, c'est normal, Chin. Je sais pas pourquoi l'alerte, faudra que je regarde pourquoi elle marche pas. Et elle est... C'est, alors, inébranlable, ils disent, mais en gros, elle est pas flexible du tout. Voilà. Donc. Une créature dotée d'un bec. Le sombral, ok, la monture. Ok. Ok. Ah, t'inquiète, il n'y a pas de problème. J'ai fait pareil chez Wizio. Test matériel. Ok, bon, ça va me laisser le temps de virer Gribouille qui est en train de jouer avec les câbles de l'écran, j'arrive. Jure, t'as les drops? Incroyable. Alors, vous allez m'aider pour la luminosité que vous y voyez un minimum quand même. Est-ce que là vous voyez le logo ou pas? Parce que moi je le vois. Non, d'accord, on va augmenter un peu alors. Là peut-être? Bah, je sais pas comment j'ai rien fait, hein. Ça doit être. Ouais, je sais pas. Pour ta part, ouais, ok. Lenny, c'est bon pour toi aussi? Ça doit être un réglage qui. Je peux tout changer. Ouais. Non mais pas grave, attends j'augmente. Voilà, on va se mettre comme ça. Je vais pas aller plus parce qu'après ça va être dégueulasse pour moi.
Alors, il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eleazar Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répartition. Bien à vous, M. Weasley, professeur Weasley, directrice adjointe. Très bien. Alors, création de perso, ok. C'est des persos par défaut, ça? Déjà, l'étage de ressort. Voilà. Là, c'est quoi? C'est partir du jeune, c'est ça? Ouais. Et là, on part sur du... pas de lunettes. Et alors, au niveau de la forme du visage. Asiatique, ça. Partir sur ça, je pense. Ouais. De cheveux, je crois, en dernier. Ah merde. Choisir la couleur déjà, ça m'aidera pour choisir la couleur des cils. Alors là on est sur un noir, gris, ok. Ça marche tout à l'heure, Lenny. Et là on part dans l'extravagance extrême, pas fou. C'est quoi du coup? Ok. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que je peux mettre de cicatrices. Hein. Ça c'est quoi? J'ai hâte d'aller à Préolard. Quelques toiles d'araignée et... C'était assez incroyable. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Ouais. Alors, les cheveux maintenant. Ah, mais c'est pas bon. Basique.
Oula. On va partir sur celle-là, hein. Juste entre ces deux-là, mais... Celle-là, je préfère, en vrai. Ok. Normal. Alors, j'ai déjà décidé. Tac, sorcier. On va rester en normal. On va se mettre en difficile, on va profiter tranquille. Et voilà, il n'y a que la voix, je sais C'était pas... C'était assez incroyable. Ça. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'ai hâte d'aller à Préolard. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Elles sont un peu robotiques, j'aime pas. C'était captivant. Elle aussi. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. C'était assez incroyable. J'ai hâte d'aller à Préolard. Ouais, je suis encore à l'école, mais je robotique. Pourrais probablement vous aider. Bon, Il y en a tout B. Et tu pars, hein. Allez. Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rampe. Oh Éléazar ! Georges. Je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux dame pierre. Je sais pas de quoi tu parles, Flaco. Avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela?
Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrok. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus... sérieuse. Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment ? Elle m'a écrit au sujet de Ranrok avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrok. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin, comment avez-vous... Attendez. Nous... Tenez Wesh. Incroyable. Comment ça va ? Ah, la ref au sombral est incroyable. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggenweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. J'y vais pour vous soigner. Yeah. Que s'est-il passé ? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Monsieur, où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte-au-loin. Un porte-au-loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Concentrer ma caméra. Je me sens bien mieux, parce que... monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Ah, et voilà. Pourquoi ? Ok. Ça me fait très penser au prince de sang mêlé. Quand on est dans la grotte, là, pour... Enfin, quand on est... Quand Harry et Dumbledore rentrent dans la grotte pour aller voir le Horcrux là, et le détruire. On va juste régler le son parce que franchement, rien à dire que c'est magnifique, mais mes oreilles en prennent un coup. Juste. Quoi, ça va bien sûr. Moi, j'ai quand même la liste, ma fille. Okay. Et. Ah, la V5. Est-ce que ça vaut le coup que tu. Attends, je vais aller me lancer là plus tard. Ça marche tout à l'heure, Tine. Placo, t'es toujours là ? Ah, j'ai perdu Placo, je crois. Quel dommage. Je vais demander à Wizio.
pas mis un message. Hein. T'as les drops actuels. Ah oui, ok. Voilà, je peux faire toutes les pommes de chaque maison. Alors, je vais juste demander à Flaco. Juste vérifier que ce soit bien ici. Que je... La V5, faut que je désactive ou pas? Sors les pommes. Ça ne sert à rien, ça ne sert vraiment à rien. Mais Les présentations s'imposent, il me semble. La V5, faut que je la désactive ou pas? La V5, ouais, en vrai, la V5, ouais, la V5, ouais, désactive-la, en vrai. Attends, mais elle est activée de base? Dis pas que j'ai la V5 de base d'activée. Sans limite. V5, ah non, elle est désactivée de base. Ah ouais, toi, elle est activée? Ah ouais, non, elle est désactivée de base. Ah oh, ouais, faut que tu la désactives, hein. c'est de la merde. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Par contre, la merde. Ouais, je. Allez. Alors, désactiver. Hop. Voilà. Et. Pas mal. Quoi? Ok, ça, c'est l'accessibilité. En élevé. Très bien. Parfait. Ah, le champ de vision. Le champ de vision, il est trop près. Ça se règle où ce truc? Angle mort de la caméra. Non, c'est pas ça. Champ de vision. On va mettre plus vent, on va voir. Non, ça va pas trop. Loin nous a-t-il emmené? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous pensez que... Le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Faites attention. Je suis auto si je fais ça. Okay. Alors, et moi, avant de faire un porte-loin. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte-loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu, et pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Est-ce que c'est de la glace? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Ok. Frappez vers le centre. Magnifique.
Utilisez votre caméra pour sélectionner une cible active. Ok, donc il y a une visée auto. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Votre maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Merci, monsieur. Ouais, ok. Grébouille qui est repassé derrière l'écran. Le petit coquin. Je dégage juste Gribouille de là. Hop. Il va y avoir quelque chose là-bas. Il y a un passage. Ah, un coffre. Oh, il y a des coffres. Ok. Et j'ai une vision. Ah, 652 pièces d'or, ça. Peut-être des galions. Ok. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. C'est bon. Accrochez-vous bien! Préparons! Nous y sommes presque! Ah. Attends, mais il y a du popcorn et tout, incroyable. D'accord. Ok. Merci pour le follow, Run to Life. Oh, le son du vent est vraiment fort. Vraiment, je baisse le son. Je vais le mettre à. Ouais, il me dit. Petit pitis. Pas 30. Pas assez. Dialogue, on va baisser un petit peu. Et là, ça me paraît pas mal. Vraiment, ça me fait tordre les oreilles. Bon, ça va, Tupitis ? Je me régale. Ça va nickel, écoute. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte au loin nous a amené ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Alors, la mini-carte vous montre votre environnement. Vous apparaissez en tant que flèche violette, ok, au milieu de la mini-carte. Cette icône représente l'objectif actuel. Appuyez sur V et maintenez pour accéder aux détails de la quête. Professeur ? Non, pas de GTA. Cette statue devait sans doute vivre ici. Bah frère, laisse-moi finir mon dialogue. Pas de GTA, là, je sais pas si... Ouais, j'en restreamerai, je pense, mais là... En gros, j'ai posé les 4 prochains jours en RP, j'ai fait, les gars, je ne viens pas pendant 4 jours, ça va être du full Hogwarts Legacy. J'allais finir d'explorer là-bas avant de venir ici, j'avais pas vu que c'était un chemin coupé. Il va y avoir un truc à faire avec cette fresque, ouais. Professeur,
C'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Il étudie l'astrologie ? Ou l'astronomie ? Je sais pas quel terme exactement. Je vois des étoiles, il regarde vers le ciel, il y a une lune. Et lui, il a des espèces de runes. Ouais, ça fait quelques jours parce que je préparais les assets pour le stream là. Là, j'ai préparé les alertes de follow, de sub, tout ça. Mais elles fonctionnent pas bien, je suis dégoûté. Faut que je les réessaye. Faut que je les reconfigure. En gros, j'ai passé 4 jours à faire du After Effects et du Photoshop et Illustrator, quoi. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin ? C'est quoi, ça ? Professeur Fig ! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur ! Comme sur le réceptacle du porte-loin. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. On est où là? Réveillez le gobelin. En explorant les ruines d'un château dans les Highlands écossais, j'ai découvert un étrange porte. Une étrange porte en pierre cristallisée qui semblait émettre une sorte de lueur. C'est à coup le problème. Nous sommes retrouvés dans un vestibule des plus luxueux. Nous ignorons ce que nous trouverons ici. Y a quelqu'un? On a Gringotte. C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Gringotts, rien que ça. Le coffre numéro 12, je présume. Ah, numéro 12, parfait. Précisément. La clé ? Le porte-loin de votre femme ? Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon ? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière, On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres inférieurs.
jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Déjà... Ouais. Il n'a pas envie celui-là de gobelin. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-au-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Attends-moi. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Bonne chance. Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio, peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Bah, on voit bien qu'à la porte en face, qui du coup, échappe, depuis tout à l'heure, elle a une lueur. Levez votre baguette et concentrez-vous. Attends, quoi? Attends, ah oh, wesh. Attends, doucement. Okay. Révélio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Ok. Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-au-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Ok. Lumos! Oh. Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore ça. Merde. Qu'est-ce que je veux faire? Arrêtez. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Ok, mais comment j'allume la lumière? Moi aussi je veux Lumos. Je veux faire un Lumos Maxima. Révélio, je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre.
passé. Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Revelio ! J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Ok, mais c'est quoi la touche pour le lancer ? Eh, ok. Lumos, bravo ! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Oh putain, j'ai pas le réflexe d'envoyer Protego. Merde. Ok. Lumos. Ne vous éloignez pas! Professeur? Professeur Fig? Professeur, où êtes-vous? Je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Lumos! Professeur. Qu'est-ce qui se passe? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Revelio! Lumos. Revelio. Lumos. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Revelio. Protego, Lumos. Ah, merde. Encore des statues. Revelio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Protego. Maintenez A lors de Protego pour contre-attaquer et assourdir les ennemis avec Stupéfix. Les ennemis étourdis subissent des dégâts en plus indiqués par des chiffres de couleur or. Attends, montrez-moi comment ça marche. Ok. Ok. On va tenter. Oh merde, j'ai pas vu. Protego, Stupéfix. 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 Stupéfix.
Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Trop, je vais voir s'il n'y a pas des coffres encore cachés. Lumos. Revelio. Rien de caché dans les parages là. Allez, un instant. Ah, rien. Lumos. Revelio. Là-bas, il y a un coffre. On va looter d'abord. Un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine. Pour voir les souvenirs. Voyons si... Ouais, ça fait comme, vraiment comme dans les films là. Imitez-moi. Tout est en place. Le portelon est caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre ? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui. Et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir, et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur ? Celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Tout m'a l'air bien différent d'il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas, mais monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrok. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons.
Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Mais où sommes-nous ? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend. Attends, mais il y avait écrit quoi sur le panneau, frère ? Mais... Chargement, on va patienter. Hein. Ah, franchement, rien à dire sur l'intro du jeu, incroyable. Oh bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié.
Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrok. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus.